après-midi, vous tous qui nous suivez. Qu'est-ce que je peux encore exprimer comme joie? Sinon, plus que flatté dans mon sursaut d'orgueil de Congolais, la joie dont je suis épris me demande de dire merci à la présence des foules Jackie Ndala. C'est aujourd'hui qu'il va nous expliquer pourquoi on l'appelle foule. Vous allez le remarquer, la caméra n'a pas la possibilité de vous présenter la totalité de monsieur Jackie Ndala. Azali Ngambé, Azali costaud, géant. Quand je le vois, je pense à Kibasa Maliba. Je pense à Mobutu Sese Seko. Je pense au professeur Nyembo Shabani. Donc, ma géant, Mokombo. Ici, je le reçois comme un acteur politique. Il est multifacette, c'est un universitaire, un journaliste en plus, et je me rappelle de Ndoule Award. Bonjour, Jackie. Bonjour, cher. Ndoule Award. C'est oui. Parti, ça n'existe plus. Non, mais rien n'existe dans ce pays. Vous savez le voir, toutes les initiatives locales ont été découragées, dépourvues de moyens d'existence. Ben voilà, Ndoule Award reste une pensée, hein, dans le tiroir. Tu pourras refaire face un jour. Tout à fait, à tout moment. Oui. En ce moment-là, comme acteur politique, vous allez vous sentir encore bien dans la peau d'être un manager d'Ndoule Award ou qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez léguer à une autre génération ou ça sera vous? Bien sûr, tout à fait. Donc, c'est ça le mal. Donc, je crois que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut préparer la succession. Mm-hmm. C'est d'ailleurs ça un vrai leader, celui qui sait préparer les générations à venir. Donc, je crois que moi, à mon niveau, je pourrais peut-être rester au niveau de celui qui a conçu la chose, qu'est-ce qu'on peut faire, la thématique, l'organisation. Mais sur le plan du management, le plan de l'exécution du projet, il y a des gens qui peuvent le faire, des amis, des frères compétents qui le feront. Et c'est presque une maladie, Ndoule Award dans les tiroirs, Manamboka tiroir, Ngomo Africa party. Et principalement, qu'est-ce que ça vous fait comme effet du fait qu'on ait récupéré chez Jovit au niveau de l'Afrique du Sud? Et aujourd'hui même avec Toseka que nous avons monté avec d'une extrême sudation, avec le Ados Nombasi, les Mangwangu, c'est parti, c'est maintenant Maman avec Parlement du Rire, et beaucoup de choses, même le rythme de musique, la notoriété musicale, c'est parti, les joueurs on n'en parle plus, ça vous fait quel effet? Je crois que c'est que ça devait faire en fait, pas personnellement, ce que ça devait faire aux Congolais, ça devait créer un esprit de réveil et de prise de conscience, d'interpellation, de questionnement personnel individuel, savoir qui nous sommes réellement, d'où nous venons, où sommes-nous aujourd'hui, et c'est quoi les projections pour l'avenir. Moi, je me suis déjà donné une série de réponses, hein, mais si je suis fou, je m'assume. Je crois que le Congo est sous occupation. Nous avons des étrangers qui sont arrivés ici dans notre pays, qui ont même pris nos noms, hein, qui sont des Kadima, des Mampasi, des Kalukura, qui sont avec nous, qui ont étudié avec nous, mais qui ont comme objectif nous faire perdre notre vision d'être un peuple, d'être une nation. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'un pays maintenant. Voilà, là, nous sommes maintenant un pays, même pas un État, un pays. Un pays. C'est dur de pouvoir ressentir ces relâchements, ressentir cet abandon, ou même quand vous dites quelque chose qui est censé pour votre pays, vous voyez un Kabamba qui vous dit « Ah, Osa et Bosa et Loroté ». Mais vous posez la question, mais attendez, ça c'est un Congolais ou c'est un étranger qui porte le nom de tout moi? Donc ça, c'est un questionnement, ils font réveil, une prise de conscience responsable. Collective. Évidemment, pour recadrer les choses. Et ça, là, ça n'arrive pas comme par une baguette magique, il faut un processus, c'est vrai. Tel que nous faisons les émissions. Voilà, sensibiliser, parler, dire aux gens c'est quoi en fait. Il y a aussi cet aspect... socio-culturaux, religieux, donc ethnicaux, qui influencent notre mentalité. Moi, je me suis toujours, excusez-moi si je vais choquer les esprits, j'ai toujours un peu condamné le christianisme qui nous a amené la naïveté collective, qui nous a amené la facilité collective où un peuple qui a tout, abandonné à Dieu. Voilà, qui
Lui, c'est un gros bébé. Voilà, qui croit à un Dieu qui doit faire le miracle à tout moment, à chaque instant, pendant, pas le travail. Pendant qu'il est assis sur de une série de miracles. Un pays incroyable dans le sous-sol, le sol, même dans le zoo et forêt. Un pays miraculé ou un peuple qui s'allonge 4 jours, 50 jours de jeûne cherchant les miracles. Il faut une prise de conscience. Est-ce que ce n'est pas ce qu'un penseur occidental qui avait dit, si vous voulez aliéner un peuple, créez-lui un dieu. Tout à fait, mais bien évidemment. Je crois que c'est très fondamental et très, très explicite et vérifiable ici chez nous, au Congo aujourd'hui, Congo Zaïre étant indépendant du Congo. L'histoire de ce pays, on ne l'a pas bien conté. Hein. Il est important de reprendre, aller chez les historiens, les véritables, fouiller, poser des questions, fouiller, qu'on comprenne un peu. Mais moi je me dis, que c'est une exception qui n'en est pas une. Au départ, on nous appelle État indépendant du Congo. Voilà. On était indépendant comment? Non. Après, une colonie belge. Mmh. Et enfin, un pays indépendant et souverain. Comment vous trouvez cette histoire? État indépendant du Congo, oui, parce qu'on n'était pas considéré comme une colonie, étant donné qu'on appartenait à un individu, le roi Léopold II. Nous étions les sujets d'un roi. Les sujets, ça va encore. Nous étions ses propriétés, c'est différent. C'est-à-dire que les personnes, nous étions comme ces machines. D'ailleurs, il avait les droits de production. Voilà, ils avaient les droits de nous couper les mains, ainsi de suite. Donc, nous appartenions à lui. Parce que le royaume, c'est évidemment, vous êtes dans un royaume, il y a un gouvernement. Mais là, ça, c'était sa propriété. C'est-à-dire une parcelle qui appartient à monsieur Kadiomo. Il en possède Mars. Comme il entend. Voilà. Et quand on a compris qu'il y avait, il abusait maintenant sur la population, à l'époque, les associations des droits de l'homme ont dit non, non, négatif, c'est sensible. Et il a cédé, n'est-ce pas, sa propriété à son royaume. Et là, la bonne foi n'a pas joué. Non. On part de l'état sauvage d'une propriété privée de quelqu'un à une colonie. À une colonie. Franchement. Et alors, on continue à une colonie. Quand on arrive à 1960, on n'a pas l'indépendance, cher René. Non. On a une liberté. Voilà, non, même pas une liberté. Moi, je suis clair, j'ai dit, on a une décolonisation. Mais on reste dépendant jusqu'après 60 ans, non seulement de Belges, mais de tout celui qui pense qu'il peut venir nous manipuler. Et il le fait. Même le Rwanda aujourd'hui peut nous coloniser. Donc, en tout. J'ai suivi un Rwandais, là, ici, passer dans un média, dire que. Et quand Laurent Kabila avait refusé de coopérer avec nous, vous savez le sort, et Félix doit coopérer avec nous, sinon tout ça. Je l'avais suivi avec aisance matérielle. Il a déclaré comme ça dans une émission à Bosolo en politique. Et moi, j'essaie de le recadrer. Revenons. Non, en même temps, c'est vrai. Il ne faut pas le prendre à la légère. Non, je n'ai pas pris à la légère. C'est vrai. Je voudrais qu'on avance jusqu'à ce qu'on va arriver à tout ça. Okay. Parce que le pays a été infiltré. Depuis des années, c'est-à-dire Mobutu a officialisé. Tout à fait. Mais avant Mobutu, déjà avec les Français, ils déportaient les Tutsis pour les placer au niveau du sud Kivu. Voilà. Même chez nous au Kasaï. Oui. Au Kasaï, déjà, après gare Lusuku, quand vous arrivez au Kasaï, ils sont là. Tout à fait. Au Bas-Congo, ils sont là. À Kalemi, ils étaient là déjà à Viura depuis 1930. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Oui, ils ont renforcé leur présence en 1967, 63, 67, et puis 94, 96. Et puis, l'hécatombe est arrivée avec le pouvoir de 18 ans. Alors, pour faire marche arrière, on vous appelle foule. Depuis que je vous connais, depuis le jeune âge, on ne vous a jamais appelé foule. Hein? Oui. Mais... on appelle Foule. Moi, je suis curieux de savoir. Bon, Foule, c'est un jeune frère, mon frère Paulin Ndala, Pop. Quand j'étais encore au niveau de médias, il a considéré que j'étais capable de faire le journal télévisé, rendre un journal télévisé, présenter. L'animation culturelle. Faire la présentation, faire l'animation, faire les shows. Et puis polyglotte. Voilà. Il trouvait que j'étais un peu incomplet. Oui. Et il dit non, toi, t'es full. Donc, full. Toutes les dimensions, on te retrouve. On les retrouve. C'est parti comme ça. Et puis, je peux te rappeler, tu m'avais fait énormément plaisir lorsque je t'avais vu dans les champs nous dire d'aller. Parce que la terre ne trahit pas. Voilà. Les minéraux trahissent. Tout à fait. Alors, maintenant, Mobutu, je disais, il a officialisé avec Bisengimana. L'occupation.
en limogeant celui qui était son dirkab pour mettre Bisengimana. Et pendant 10 ans, Bisengimana a dirigé tout. Et Bisengimana a influé jusqu'à donner la nationalité au Tutsi. Tout contrôlé. Alors, et même quand l'informatique a commencé, l'IBM, c'était avec Bisengimana et Miko, qui a amené même Telecel. Et même les serveurs de la République démocratique du Congo au Rwanda. Voilà. Aujourd'hui, même le coltan s'est vendu au Rwanda, qui est aujourd'hui premier producteur du coltan. Pendant qu'il n'en produit absolument rien. Alors, c'est choquant. Maintenant, le contenu de tout ceci a révolté Jacky Ndala. Tout à fait. Je crois qu'à un moment donné, nous sommes une génération qui devait obligatoirement prendre conscience vu les dangers qui arrivent. Nous avons des enfants aujourd'hui. Peut-être que les enfants, avec la culture que nous avons, ils ne pourront pas nous poser des questions. Mais nos petits-enfants nous poseront des questions. Pendant telle situation passée, qu'est-ce que vous avez dit? Quelle était votre position? Et moi, c'est à partir de ces questionnements-là, je me suis dit, non, mais il faut que je dise quelque chose. Même si je ne serai plus là, les petits-enfants diront, mais non, notre grand-père, lui, au moins, il avait le courage de dire pendant que le pays était sous occupation. Et j'ai essayé un peu de fréquenter en ligne, entre les lignes, l'histoire de Voloze Kimbangu. Je me suis dit, mais ces gars, il a prophétisé. Il avait dit, quand même, ce pays-là sera occupé, il y aura des étrangers qui viendront vous maltraiter. Avant lui, c'était sa maman. Ah, ok. Avant que Kimbangu ne soit né, Kimpanvita, elle parlait de Bandombe, Banzenza. Voilà. Alors, elle disait qu'il y aura une race qui va venir ici, qui va nous dominer. Voilà. Et Zingankou, vous croyez, et puis après, il a été détourné par les Portugais, et on lui a dit, non, c'est un danger. Cette fille, avec ce qu'elle fait, elle va te prendre le royaume. Et voilà pourquoi on est arrivé jusqu'à brûler. Voilà. Kimpanvita. Et même, Mvuluzi Kimbangu est resté, parti de l'Angola, il se retrouve ici, mais il est malheureux, parce que la manière dont les Noirs dénature sa personne, c'est choquant. Non mais ça c'est notre culture. Vous lisez l'histoire de notre pays. Vous verrez que tous les grands leaders, tous les grandes personnalités qui voulaient s'imposer à un certain moment, ceux qui voulaient notre bonheur, ont été trahis par nos propres frères. Ça c'est dans l'histoire. Vérifié. La trahison c'est nous-mêmes. Nous sommes une race un peu compliquée. Alors là, c'est là que moi je me suis posé, mais évidemment peut-être que c'est vrai. Peut-être que ça veut, nous sommes tellement infiltrés que je considère Kadiomo comme un frère. Pendant ce temps il n'est pas mon frère. Oui. C'est possible. Parce que la manière d'agir. Revenons à l'actualité. Regardez un peu comment les choses se passent. On dit bon, on a choisi Malonda comme président de la CENI. Imaginez-vous, vous êtes patriote congolais. Vos frères meurent. Tout le monde sort dans la rue. Dit non, demain on aura une marche pour dire non. Mais qu'est-ce qui vous empêche de dire, en tout cas chez Combatriote, cette histoire? Je me retire. Je sens que ça ne va pas, je me retire. Mais vous attendez que le sang coule. C'est les questionnements. Réfléchis un peu en nous là. Mais c'est là que moi j'ai dit, Malonda ne peut pas être congolais. Non, mais évidemment. Ça je l'ai dit, j'ai dit évidemment. Même, à part la morphologie, je me dis non, il ne peut pas l'être. Non, il a déjà été là en 2006. Voilà. En 2011. En 2018, vous voulez être assez. Enfin, vous voulez être encore là en 2023 pour quel objectif, pour quelle fin? Donc, vous-même en tant que Congolais, mais vos frères disent non, mon frère. Tous les leaders politiques, tous les vrais leaders politiques disent non. Non. Pas vous. Vous êtes même si ces leaders politiques, parfois, ils s'entrechoquent entre eux. Ils sont unanimes. Ils sont tous ensemble. Sur les trois lois de Sakata et Minako. Unanime. Sur Malonda, unanime. Sur l'infiltration des Rwandais, unanime. Alors, même la population s'est réunie en ce moment-là. Alors, vous êtes là, vous êtes patriote, vous êtes né dans cette grande famille congolaise, et vous vous démarquez. Vous ne dites mot, vous attendez qui parle à votre place. Réagissez. C'est là que je dis, évidemment, il y a des gens qui sont avec nous tous les jours. Jacky qui vient, qui parle, mais attention. Est-ce que ces gars-là sont congolais? Nous sommes infiltrés depuis toujours. Il y a des gens qui portent nom, mais qui ne sont pas avec nous. Regardez même sur Facebook. Regardez même vos émissions quand vous faites une émission. Vous parlez de ce qui est congolais, de ce qui est sacré pour vous, de ce qui est consacré pour vous. Vous verrez qu'il y a des gens qui font des commentaires à Benoît Kapson Rambouana. Et souvent, ils sont arrivés maintenant avec les systèmes genre à Taliban. Pour identifier les Pakistan. Pakistan. Ils nous divisent. Et nous, on ne se rend pas compte. Mais c'est leur jeu. Et nous, on croit que celui qui a écrit Taliban, il ne doit être que Pakistan. Voilà. Pakistan pense autant. Voilà. Et j'ai dit aux gens au cours d'une émission, j'ai dit, écoutez, les fake news que vous avez, c'est le Tutsiland qui lance ces fake news. C'est à nous de comprendre.
Mais ce qui est choquant, Jacqueline Dalla, j'étais vu frôler la mort pour empêcher Kabila le troisième mandat. Et c'est par le sport que tu pratiques qui t'était sauvé. C'est sur Triomphal? Triomphal et puis Victoire, qu'est-ce qu'on appelle là? Paroisse Saint-Joseph. Saint-Joseph, tu vois ça. Reprises. Donc là, c'est le cœur qui avait parlé. Mais j'avais pensé que votre question allait partir plus loin pour dire, mais vous l'avez soutenu. Vous ne me répondez pas. Non. Merci. Non, je suis en train. Non. Non, mais je l'ai soutenu, hein, quand même. Hein. J'étais au fond, j'étais au front, hein, disant, non, c'est lui qui doit. Au fait, les Congolais doivent comprendre qu'il y a un vrai problème. Nous avons une responsabilité, chacun de nous, à son niveau, voyez-vous. Mais il faut qu'il y ait un élan. Il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent. Parce que la lutte, le combat que nous menons aujourd'hui, ça ne s'arrête pas seulement à l'aspect matériel physique. On aime tellement l'argent, nous, les Congolais. On aime s'habiller. Même pour rien. Voilà, on aime les femmes. On aime impressionner. On aime être qu'on nous chante. Ouais. Même quand vous n'avez rien. Ouais. Jacqueline Dalla, grand prêtre. Et puis chez nous, ça, Mokonzia. Voilà. Tout le monde est Mokonzia. Tout le monde est président. Président. Ah, président. Après, tout le monde est honorable. Honorable. Ah. Hein. Attends, mais après, vous arrêtez. Il faut qu'il y ait un questionnement. Kabila, moi personnellement, Dalla Jacqueline Poué Kabundi, je l'ai soutenu. Évidemment, avec une pensée. Je me disais, mais ce gars-là. Donc à l'époque, je ne peux pas imaginer qu'il n'était pas congolais, excusez-moi de le dire, criolement comme ça. Là. J'ai dit, les gars, moi je suis né en 112, lui il est en 111. Moi j'ai vécu dans ce pays, j'ai chanté pour Mobutu. Moi j'ai chanté pour Mobutu hein, avant d'entrer en classe. Et mais c'est, vous chantez, vous dansez, vous transpirez, après vous êtes en ligne. Quel élève vous entrez en classe et on vous apprend que Mobutu, c'est Lumbé évidemment, un héros qui s'est battu comme un léopard, qui a tué un léopard. Donc, alors je me dis, mais attends, nous on a, les gars qui arrivent là, il n'a pas appris ça. Il est venu, il a fait ses études, s'il a fait évidemment, dans les pays anglophones. Et on se voit en Afrique comment ces pays-là sont un peu avancés que nous. Les anglophones. Même dans la mentalité. Ouais. Après, j'ajoute, j'ai dit, bon, les gars, il n'a pas un peu la quinoiserie. Nous, on est trop quinois, hein, c'est vrai, bon, nos koyas. Mais lui, il est comme. Je vois que c'est un gars logique, je me disais, un peu discret, un tout petit peu honnête, ce que je pensais à l'époque. Là, tu ne savais pas qu'il était sournois. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc tu t'attendais le moins. Non, mais je disais, mais ça c'est les gars qu'il nous faut. Les gars là, c'est lui qu'il nous faut et nous le soutenons. Mais en même temps qu'on le soutient, on dit bon, on le soutient, mais c'est jusqu'en 2016, hein, après, il va partir. Ouais. On verra comment profiter. Que vous soyez bon ou pas, voilà, on est avec vous. Céder voilà. quelqu'un d'autre. Et je me disais, la plus grande déception que j'avais, parce que je croyais au fait que Kabila avait la possibilité avec sa jeunesse de mettre en place une nouvelle classe politique, rajeunir la classe politique. Je me disais ça. Il pouvait créer des kabilistes josephistes. C'était possible. Parce que jusqu'à ce jour, disons la vérité, ceux qui nous dirigent en majorité sont des mobutistes. Ouais. Alors lui-même, il s'est fait mobutiste, sans le savoir. Ouais, ouais. Ça dit, on l'a exorcisé. Voilà, sans le savoir. De l'AFDEL au MPR bis. Bis. Alors, quand j'observe, je dis non. Là, ça ne va plus, ça ne va pas. Je risque de porter une responsabilité historique. J'ai un peu d'aura. Les gens m'écoutent. Je vais profiter de ces 5-10 personnes qui écoutent ce que je dis. Dis courageusement non. Non au troisième mandat. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Si on a combattu Mobutu, je crois que c'était pour que les choses changent. Et après, vous voyez comment le gars pille et laisse piller les ressources de votre pays. Vous dites non. En honnête et imbécile que je suis, je dis niette, ça ne passe pas. Et c'est pourquoi je vous ai lu, vous avez dit, je ne suis jamais contre la personne Kabila, mais contre le système qu'il a mis en place. Et en même temps, contre les systèmes, bien sûr, ça c'est sur le plan philosophique, idéologique, mais sur le plan matériel, c'est lui qui incarne le système. Je suis désolé. En ce moment-là, le système l'emporte. Voilà. Si on n'aime pas le système, de facto, on ne peut pas l'aimer. Obligé. Il suffit qu'aujourd'hui, les dieux de nos ancêtres décident autrement. Vous allez voir comment ses collaborateurs vont prendre fuite. C'est lui la personne, en fait. Maintenant, là, c'est lui la personne. C'est la personne de Kabila, qui aujourd'hui empêche que ce Congo puisse retrouver sa place dans les concerts des nations. C'est triste et tristement grave. Alors, parce qu'on parle de lui, moi, j'ai une autre approche, hein. Et j'ai fait une analyse autrement aussi, en constatant que nous risquons d'être encore beaucoup plus distraits
avant. Mm-hmm. Bien sûr que oui, Kabila, c'est un problème. Mais il y a quelque chose qui a tiqué mon attention. Ouais. On a puni l'entourage de Kabila, sauf Kabila et sa famille. Et ça, l'Amérique l'a fait. Mm-hmm. Vous ne trouvez pas que maintenant, il faut aller au-delà de Kabila? Parce que punir tout le reste, sauf lui et sa famille, on n'a pas puni. Et dire que ce sont ces gens-là qui l'ont installé, qui ne le punissent pas. Est-ce que vous réfléchissez comme moi sur ce point? Oui, je réfléchis comme vous, sauf que quand vous entrez dans votre pensée, il y a une logique que vous oubliez. Mm. La logique, c'est que si on veut avoir Kabila, il faut commencer par l'affaiblir. C'est un processus. Comme nous le faisons de l'intérieur. Voilà, c'est un processus. Et moi, je me suis toujours dit, je l'ai dit tous les jours, on ne peut pas attendre que les Américains chassent Kabila pour nous. Non, non. C'est faux, ça, c'est rêvé, ça. Mm-hmm. On ne peut pas attendre que les Belges... Non, non. Nous-mêmes, nous devons prendre nos responsabilités. Même pour que l'homme belge, même pour que le Belge nous respecte, même pour que l'Américain nous respecte, il faut que nous puissions prendre courage, prendre le devant. Mm-hmm. Être responsable d'abord. Vous savez pourquoi, acteur. Vous savez pourquoi le Rwandais se moque de nous? Mm-hmm. Parce que le Rwandais nous ont aidé à chasser Mobutu. On oublie ça. C'est ridicule. Évidemment. Ils sont là parce que c'est eux qui ont chassé Mobutu. Mm. Et là, ils sont là, ils pensent que c'est leur pays, mais non, ils peuvent tout faire. Donc, il est grand temps que l'on prenne conscience et qu'on se décide. S'il faut une guerre, moi j'ai dit ouvertement, s'il faut prendre les armes pour chasser ces gens, il faut les faire. Et il faut le faire une fois pour toutes. Mmh. Alors, si on doit rester naïf, attendre dans cette pratique pacifiste, d'accord, on y va et ça va prendre des années. Voilà. Et si je vous disais qu'on maintienne encore la décision de bloquer les églises, les terrasses, mais lâcher l'école, vous pourrez être de même que moi, parce que au niveau de l'église, on prêche l'amour du Christ, le pardon. Mm-hmm. Et j'entends beaucoup de gens dire comment est-ce que vous pensez comme moi? Parce que moi, je me dis, cette période où ces institutions ne fonctionnent plus, j'ai trouvé un autre élan. Mais je ne sais pas si c'est vous qui me suivez ou c'est moi qui vous suis déjà. Je ne sais pas si dans vos shows, je prends le temps de vous suivre. Non, non, et dans ce pays, vous savez, l'église, ça n'existe pas, ces églises, ça n'existe pas. Mm. Je suis désolé. Hein. Mm. Si l'église existait, ça devait être l'homme. Mm-hmm. L'homme intérieur congolais. Devait, évidemment, comme la Bible même le dit, c'est notre corps qui devait être le temple du Seigneur. Du Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en vous. Mm. C'est ça votre église, votre croyance, votre foi. Il faut soigner votre puissance spirituelle. Ouais. Ça n'est pas de l'être suprême, imaginaire, puissant. Non, non. Ça naît de la culture. Mm. Je suis allé en Inde. Mm. On me dit, l'homme, le milliardaire indien, l'homme le plus riche indien, ne connaît pas Christ. Mm. Lui, son Dieu, c'est un petit veau. Un petit veau. Ngombe Amuke. Mais ces gars-là, je me dis, bon, est-ce que c'est un occulte? Non, mais c'est un occulte. C'est leur culture. Là, j'ai dit, je sursaute. Et même quand vous lisez la Bible, en fait, quand vous parlez de Jésus, vous parlez de Dieu, la créature, la création, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et puis quand il suffisait que Dieu dise quelque chose, et tout pouvait s'arriver. Mm. Et quand vous allez, vous entrez dans la profondeur des Écritures saintes, bibliques, vous allez voir que la Bible, elle est puisée dans la culture juive. Ouais. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Nous avons abandonné notre culture, Yaya. C'est ça les grands péchés. Nous aimons être occidentaux. Hein? C'est ça le mal. C'est ça notre malheur. Ça fait 60 ans. Est-ce qu'on peut faire les bilans du tout? Ah oui. Là, j'ai dit, tu m'as copié. Parce que dans toutes mes émissions, je disais, ne nous attaquez pas, ne nous maudissez pas. Vous dites, on est chrétien, bien sûr, on est musulman. Quel est le bilan? Voilà. C'est ce qu'on peut faire les bilans de tout. Ouais. Le Congo a 60 ans. Mmh. Un grand papa, un grand père, qui peut avoir une fille, un garçon de 30 ans, qui peut avoir un fils de 5 ans. Ouais. Et des petits-enfants. Évidemment. Mmh. Alors, le Congo, ses grands-parents, ses grands-papas de 60 ans, qui ne sait même pas se nourrir. Qui nous a dit, nous, Congolais, que le vrai repas, c'est Soso? On est ancré là-dedans. Matembe Lévier, il est Soso Moussika. Non, mais écoutez, je vous dis que... Surtout Oluyi Nasimandaw. Ah oui, tu sais, c'est la culture au Katanga.
Au Kassai, j'ai vu, mais ça commençait, et ils avaient dérapé déjà vite avec les diamants, ils avaient tout oublié. Mais au Katanga, vous allez trouver le matin... Tout est dans la parcelle. Oui, il asperge de l'eau, hein, il arrose, et ça pousse, et puis tout ça, combien 4 kilos de courrier. Et c'est du bio. D'accord, là, à côté, ils vous mangent. Est-ce que le Congo peut exporter la farine et maïs, s'il vous plaît? C'est une importante énorme. Vraiment, le Congo. Au niveau de Lubumbashi, d'ailleurs. Ou dans ce salon, on peut jeter un grain de maïs et ça pousse. Est-ce que c'est ça le Congo des 60 ans qui bave, un vieux qui est en train de baver, qui ne sait pas se nourrir? Un vieux de 60 ans, je veux finir par là, qui ne sait même pas se construire une maison, qui doit importer des maisons préfabriquées et se laisser escroquer. N'est-ce pas bien ou bien? Oui, ça c'est vrai, parce que déjà, dans les dossiers 100 jours, moi j'ai fait une chose, j'ai dit, comme maintenant on a arrêté cette hémorragie, dès qu'on récupère cet argent, les génies militaires sous les ponts, maquillés, ils sont là. Qu'on fabrique des briques, il y a des moules. On les fait de bonne qualité. On les presse. Il y en a au niveau de Menkaou. On a fait tout ça. Kabila, quand il passait, il regardait. Et avec ça, on va engager la main-d'œuvre congolaise qui sait déjà fabriquer ça. Et puis, quand on a fabriqué, on va engager les maçons congolais qui vont construire ces maisons. Et au niveau ici, les ciments et au Congo. Vous pouvez réactiver le Latreka au niveau de Lubumbashi pour le câblage. Vous pouvez s'y diriger de Maluku. Vous fabriquez des tôles. Nous avons tout. Alors, moi, je m'étais dit, amener de la Turquie. La Turquie fait ses affaires. Mais c'est déjà très loin et ça ne signifiait rien. Nous, ça pouvait nous donner. Et déjà, en faisant Bishukulu, comme Lubumbashi, Biabiekunda, comme... à Kassangour, c'est quelque chose d'améliorer la qualité. Là, vous avez raison, c'est quand les autres nous voient faire ce que nous faisons, c'est une honte. Il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit, mon frère, quand j'ai dit à mes frères dans la diaspora de faire une coopérative agricole, nous mettons nos moyens, nous descendons, il y a des provinces, parce que lui a parlé au Baluba, que descendons dans le Grand Kassai. Faisons nos coopératives, on a fait au Sankuru, on va faire à Lubao, on va faire à Ngandajika, on va faire à Mwenedit, on fait le tour. Mine de rien, au bout de 10 ans, nous allons nous nourrir convenablement. Et ils ont dit, non, Bambongwana, toi, Nambongote. Alors il a été surpris, c'est quand? C'est lorsque il y a eu les festivités, on avait organisé un concert. Il a dit, ces gens ont envahi Louis Vuitton. Ils ont envahi Mazantomo. Ils ont envahi, ils ont payé beaucoup. Et les Blancs, ils regardaient, ils disaient, mais ce peuple, pourquoi ils se plaignent qu'ils sont des pauvres? Vous voyez, c'était juste pour rallonger votre idée et dire franchement, tout est parti, cette explication, quand je t'ai vu toi seul dans le champ. Et c'est ce qui t'a poussé à construire à Biboua. Bah, pas ça. Je suis allé là-bas parce que je me disais que dans la pensée évolutive, Kinshasa est confiné. Trop confiné. Je ne parle pas des confinements COVID. Non. Là, que les gens comprennent que nous sommes entassés en un lieu. Voilà. Et on a même le système des gilettes. Et tout à fait. Voilà. Moi, le pango à mouquet, pas qu'à ressources. Et puis quand on construit, on monte. On monte. Et quand on monte, on oublie qu'on empêche l'air de circuler. Soir, nous sommes proches du tropique. Voilà. C'est ainsi que j'ai choisi d'aller dans la banlieue. Il fait très beau, à côté du fleuve, non loin de l'aéroport. C'est la nouvelle ville de Kinshasa, de toute façon. Oui. Elle est jolie. Moi, j'ai aimé. Une fois, je suis allé avec le grand frère, il a une parcelle de l'autre côté, mais du côté où il y a beaucoup de sable, Ecobank, tout ça. J'ai dit, mais ici, c'est là où l'État peut imposer une chaussée, parce qu'avec ce sable, on ne saura pas. Non, même les sables, déjà, c'est déjà par, comment on appelle ça sur le plan, c'est déjà contre les érosions. Oh, oui. Le sable, vous n'aurez pas d'érosion là où il y a du sable. Par contre, vous commencez à... à l'enlever. Donc, au fait, on partait sur l'idée du 60 ans, des 60 ans de après 60 ans d'indépendance, 60 ans, les bilans. Il fallait qu'on s'arrête, qu'on se pose des questions. Où sommes-nous? Nous sommes toujours derrière
l'homme blanc, en tout et pour tout. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que le Congo peut avoir la fierté d'avoir amené à l'humanité? Nous avons l'or, le diamant. Si on nous amène un carton d'or ici ou un petit seau de diamants ici, nous deux, on ne fait rien. Ça va rester comme des petites pierres dans notre salon, dans votre chambre. Il faut que l'homme... Au finish, on va aller vendre. Il faut qu'il vienne, lui, et qu'il nous impose des prix. 60 ans, on ne sait même pas imposer les prix de nos propres produits. Voilà, on ne sait même pas. Non, il faut quand même qu'on se pose des questions. C'est une responsabilité finalement collective. Tout à fait. Ça n'appartient pas à une seule personne. De quel droit, par quelle magie, le Rwanda peut être le premier producteur du coton? Ça devait nous choquer d'abord au départ. Oui. On ne devait même plus alors, en ce moment-là, chaque matin balancer l'hymne national à la télévision. Si on était un État responsable, le président de la République n'allait même plus rouler avec des gyrophares. Il faut qu'on s'arrête, qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Les États-majors, nous siégeons, nous disons alors, maintenant nous allons commencer par ici. D'abord, réformer notre personnalité. Travailler sur ce que nous sommes. Mais à l'époque de Mobutu, c'est vrai que c'était une façon de déifier le maréchal, feu maréchal Mobutu, mais il y avait quand même le cours de civisme. On nous apprenait, nous étions des Zaïrois. Ça, je me rappelle. Et tout le monde avait peur de nous. Oui, et nous avions ce qu'on appelait à l'époque l'unité nationale. C'est-à-dire un Moulouba pouvait aller diriger. Mais est-ce que lui, finalement, Mobutu en disant « avant moi c'était les Kawa, après moi ça sera les déluges », est-ce que ce n'est pas lui finalement qui a piégé la République? Ce n'est pas lui. Il le savait évidemment. Il le savait d'où il venait. Vous savez, une petite chose, je crois que j'en ai parlé une fois dans une émission. Au fait, l'homme belge, en nous donnant l'indépendance, là, il ne nous l'a pas donné de toute façon. Ouais. Il nous a juste décolonisé. Un semblant. Voilà. Il dit, bon, écoutez, ces gars, ils ont tellement réclamé le Mumbai. Très bavard, il est trop brutal. Mais écoutez, comme on dit en Lingala, tout sous de la bangoula, non. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est maintenant que j'ai vu seulement, il paraît que dans les archives, que c'était un certain, lors des élections, c'était pas Lumumba qui était le premier. Kassavou était même au 8e au-delà. Mais ils ont pris Kassavou comme président, Lumumba qui était ministre. Comme premier ministre. Et Lumumba avait la majorité au Parlement. Mais ces gens mettent le premier ministre et le président en conflit. Et ce qui est grave, il tombe dans le piège. Kassavubu suspend son premier ministre pendant qu'il ne peut pas le faire. Et Lumumba fait la même chose pendant qu'il ne peut pas le faire. Kassavubu fait le forcing. Il nomme un nouveau premier ministre, il n'a pas la majorité au Parlement, on le rejette. Et ça montre vraiment que c'était des personnalités qui n'ont pas été préparées. Ouais. On les a improvisées, on les a imposées et on les a en même temps manipulées. C'est grave pour l'histoire de ce pays. C'est très, très grave. Regardez, et nous continuons dans la bêtise. On arrive en 65. Mobutu, qui travaille avec Lumumba comme son parsec, cherche à éliminer Kassavubu avec la complicité des Belges et des Américains. Et Lumumba part. Mobutu, sachant que je ne peux pas diriger ce pays, c'est pas possible, mais il vous dit, bon écoutez, s'il vous plaît, consciemment, il dit, donnez-moi 5 ans. En tant que militaire, avec la discipline militaire, on peut mettre de l'ordre que les hommes politiques n'ont pas. Mais il prend le pouvoir pour 5 ans, il vous fait 32 ans. Il a pris du goût. Voilà, incroyable. Et pour quitter, ce n'est pas le peuple zaïrois congolais qui se mobilise. C'est le Rwanda. Le Rwanda. Non, allons-y calmement. C'est évidemment, mais c'est le Rwanda qui traverse, qui arrive jusqu'à Kisangani, qui se rend compte que, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? On est où là? Non. Toi, tu es Deogras Abougera. Dès que tu arrives, on va dire que c'était un Rwandais. Non, Tobizi Makara, non, ça se voit que tu es un Rwandais. Il faut chercher un Congolais. C'est ainsi qu'ils vont aller chercher Mzé. Oui. Non, mais il y a un Lumumbiste, gardez-moi, prenez un peu ce gars-là. Et les gars étaient dans les commerces, dans ce business, qui réussissait d'ailleurs. Il vient à la tête d'une rébellion qu'il ne contrôlait pas. Il est président, ne sachant même pas qu'il fallait une certaine diplomatie. Le vieux Tien Tshisekedi de Mulumba, perd son âme, l'interpelle dans les médias, il dit, frère, cherche à voir la facture de ces gars et qu'ils rentrent tout de suite chez eux. Il a été relégué au village. Dieu merci. Ça, c'est l'histoire de ce pays. Voyez-vous. Et après, il est assassiné. C'est un gars qui se réveille le matin, ne sachant même pas qu'il sera président. Il se retrouve président. Et il vous tape 18 ans. Ça, c'est l'histoire de votre pays, Joseph Kabila. C'est incroyable. Voyez un peu la succession des gens qui ont dirigé ce pays. Ce sont des personnes tout simplement improvisées. Et ça, c'est grave. La magie belge. Voilà. Et ça, c'est la Belgique. Alors, si je comprends bien,
nous n'avons pas un laboratoire. Des gens qui anticipent les événements, qui étudient aussi les autres, et qui se disent quelle est la matière potable à faire consommer la population congolaise. Parce que par exemple, l'enfant depuis l'école primaire jusqu'à les humanités maîtrise l'histoire des autres continents. Tout à fait. Napoléon, il ne connaît pas là où il est. Pas de Napoléon. Oui, oui. On parle de la guerre des croisades. La révolution française. Voilà. Mais qu'est-ce que ça a à faire ici? Alors que cet âge, c'est l'âge où on imprime les vraies valeurs. Dans la personne. Dans la personne. Dépasser cet âge, quand on devient plus grand, on a déjà les réflexes ici. Donc, on doit commencer par réformer l'enseignement. Tout à fait. Que l'histoire commence à la maternelle, là où l'enfant apprend son milieu. Et rien que son milieu. Qu'on lui dise à l'école primaire, voilà. Qu'il sache, quand on dit Jacques Ndala est kassaïen, le Kassaï c'est où? Voilà. Quelle est la culture kassaïenne? Tout à fait. Quand il arrive aux humanités, il commence à apprendre, au Congo, on n'est pas que le kassaïen. Il y a le Bakongo, il y a le Bangala. Quand il quitte les humanités, il a l'histoire de son pays. Voilà. Et à côté de ça, pour réussir, la spiritualité. Quand on dit que vos ancêtres ne connaissaient pas Dieu, ce sont des sorciers, il faut vous détacher d'eux. Comment vous trouvez ça? Est-ce qu'on peut avancer en n'étant pas... Parce que la nation, finalement, c'est l'ensemble des morts et des vivants. Mais nous, nous disons toujours non à nos ancêtres, non même à nos parents qui les ont mis au monde, avec qui on a vécu. Une fois mort, on dit ce sont des satanistes. Mais quand vous dites nous disons non à nos ancêtres, mais c'est ça la malédiction. Oui. Non, dire non à ses ancêtres, deux points, malédiction. Ça, c'est clair, avec projecteur dessus. Oui. On vous dit, vos ancêtres n'avaient pas, ne savaient pas, c'était des fétiches. D'accord. Mais le roi belge, dans son discours, quand il envoie les missionnaires, qu'est-ce qu'il leur dit? Ces discours existent. Tapez Wikipédia ou Google. Et comme Jacques Ndala vient de vous parler du discours de Léopold II, comme nous en avons, je demande au vétérinaire de nous balancer l'extrait du discours de Léopold II. Est-ce qu'il ne faut pas que je dise d'abord, sinon on risque de croire que je prie. Non, vous allez maintenant dire. Non, après, je préfère dire parce qu'on risque de croire que je prie. Je dis ce que je sais. Oui. Ce que je sais. Ouais. Et puis on va voir si c'est ça, c'est identique. Je vais être dans l'à peu près. Oui. Le roi belge dit, allez-y, prêchez-le ce Dieu. Mm-hmm. Mais sachez qu'ils ont leur Dieu. Qu'ils connaissent très bien. Qu'ils connaissent très bien. C'est bon, on peut voir. Vetter, tu nous balances Léopold II dans son discours au pasteur blanc. Et pasteur blanc dans cette patrie. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Bien, vous avez dit textuellement comme lui. Ouais, les missionnaires. Les missionnaires. Ils venaient en mission. D'évangélisation. Évidemment. Et puis, les dieux que nous prions aujourd'hui, comment nous l'avons reçu? Par la chicotte. Pas seulement la chicotte. Par la chicotte. Par la torture. On nous a installé la peur. On vous a imposé la peur. Et vous avez reçu. Ce qui est grave, cher aîné, Mars Kadiombo, fermez les yeux, prions. Priez, il faut prier les dieux de vos ancêtres. Et vous avez un Congolais, un Moulouba de chez moi, je ne sais pas quoi, Kalonji là-bas qui vous dit, oh Abraham, Moïse. Non. Alors quand on dit ancêtre, c'est les sang, les liens de sang. Oui. Comme on dit chez nous, machi, ça passe par là. Comme Jésus disait, Abraham, mon ancêtre, disait. Voilà! Quand vous entrez dans la Bible, même Christ en prêchant, il identifiait chaque
peuple. Il le disait bien. Je n'ai rien contre Christ. C'est le roi, les princes, ainsi de suite, d'accord. Mais je pense qu'il y a des valeurs socioculturelles de nos ancêtres que nous devons chercher à comprendre d'abord. Aujourd'hui, nous dépendons de l'homme blanc. Il est influent. Et jusqu'à ce jour, nous sommes dépendants. Mais écoutez, comment on peut dire que le Congo est indépendant pendant que même la monnaie, qui est le symbole de l'indépendance, n'est pas une référence? Ici, on n'a pas les francs congolais. Les francs congolais, c'est un semblant de monnaie. Et c'est le dollar. J'ajoute un petit élément, pas sur la monnaie. Jésus, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu les accomplir. Voilà. Donc nous, la jeunesse aujourd'hui et nous, les vieux, notre mission, c'est d'accomplir nos ancêtres. Voilà. Mais nous, nous les avons exclus. Exclus, carrément. Regardez un peu dans notre culture, cher aîné. Quand on va épouser une femme, excusez-moi de rester un peu trop louba, je suis nationaliste, mais je vais quand même rester chez moi. Non, les gens confondent le tribalisme. Hein? Le tribalisme existe partout, mais le tribalisme qui négatif existe. Là où maintenant, on exclut même des compétences au nom de la tribu. C'est ça. Mais le tribalisme positif, c'est quoi? C'est l'amour. Tu es au louba, c'est chez toi. Voilà. C'est l'amour. C'est écrit dans la carte. C'est ma source. L'amour de ta tribu. C'est ma source. Chez moi, quand vous allez épouser une femme, on vous exige un certain nombre de biens. Ouais. Ça, jusqu'à ce jour, moi je salue encore mon papa, Ndala Eva, Ndala Mkendi Eva, qui n'exagère pas. Il dit, bon, quand vous dites, bon, ailleurs on dit, bon, quand vous arrivez, il faut discuter la dot. Il dit, mais attendez, qu'est-ce que vous allez discuter là? Non, c'est le Louba, on discute donc, pas. Vous discutez. Mais le Louba ici, à Kinshasa, commence à le faire. Mais malheureusement, il dit, vous discutez le prix de ma fille, mais attendez, c'est quoi ça? Alors c'est comme si je peux vous dire, donnez-moi une chair, vous allez, bon, on va vous donner la tête et pas la queue. C'est ça, discuter. On vous amène la répartition d'un dinde. Non, ça ne va pas. Donc, il y a des principes. Quand vous épousez une femme, même en français, ça se dit. Ma femme, c'est bon, c'est votre femme. Mais quand c'est mon épouse, ça vient, vous l'avez épousée. Il y a plusieurs femmes, vraiment. Mais il y a une seule épouse. Ça, ce sont des valeurs. Mais pourquoi on ne reste pas dans ça? Et puis, pour permettre à ceux-là qui nous suivent, qui sont aussi, qui sont le Louba, nos papas, ils ne prennent pas la chèvre par hasard. Non. Il y a une question qui se pose à côté. Es-tu vierge? Pour que je prenne la chèvre. Non, papa, laisse. Et il ne prend pas. Oui. En plus, on ne vous tue pas. Non, pas du tout. Non. Écoutez, rentrez avec votre chèvre. Voilà. Et on ajoute une question. Monsieur le mari, êtes-vous au courant qu'il n'y a plus de chèvre pour votre future épouse? Il dit, oui, je sais. Allez, c'est bon, on avance. Voilà. Donc, c'est pour dire que dans notre culture, il y a des valeurs. Et nous devons revenir à cela. C'est ce qui nous empêche, évidemment, de décoller. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, sans peut-être comprendre, évidemment. Quand vous dites, on a ignoré nos ancêtres, on a rejeté nos ancêtres. Oui, c'est là la malédiction. C'est là la malédiction. Revenons. Revenons, même si pas tout de suite, revenons progressivement, prenons conscience, nous sommes une force. Quand on dit le Congo est un pays prophétique, mais bien sûr, c'est un pays prophétique. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a aucun malheur à cela. Nous sommes en train d'écrire l'histoire que nous conterons à nos arrière-petits-enfants. Quand on dira, ben écoutez, à l'époque, il y avait telle situation, référentiellement, ils tireront des leçons de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et ce sont des cas de jurisprudence. Voilà. Comment est-ce qu'ils avaient résolu tel problème à l'époque? Tout à fait. Quand on lit dans la Bible, Josué est allé, il a fait les 7 tours du mur, tout ça, c'est pratiquement ce que vous faites. On a été dans la rue à telle période. Le bilan était ceci. Et ça a poussé Kabila à ne pas briguer ce mandat. Donc, si on prend cette histoire, c'est toute une Bible à côté. Donc, c'est adapté. Voilà. Oui. C'est adapté. Mais maintenant, c'est quoi le rôle du peuple congolais? Vous savez, j'ai dit dernièrement, quand j'ai mobilisé pour la marche de la Mouka de demain, j'ai dit aux gens, mais c'est les Kamba Mabélé. Ouais. C'est moi, Kalabas. D'un bout d'un toto. Ni Mamba Udongo. Partout dans le monde, les peuples qui sont considérés comme grands se sont battus pour leur terre. L'Israël, jusqu'à ce jour, jusque-là, ça ne va pas avec la Palestine. Qu'est-ce que. Bah ouais, la Ranine. Mabélé. Mais c'est ça! Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est la plus grande richesse. C'est la plus grande. C'est sacré, ça. Ça ne passe pas. Nous venons d'où?
Nous sommes tirés de cette terre, de la poussière. Ça devait expliquer aux Congolais le mystère de ce que nous sommes, ok, et de là où nous sommes assis. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils s'en foutent, quoi. Ah, on a bien un côté, un côté. Non, quelqu'un qui dit ça, c'est un traître. Marche, on a bien un mois, sinon on a banana. Mais attends, ça, c'est un traître. Non, ils sont là. Mais non, écoutez. Ça, j'ai toujours dit, ça, j'ai dit, hein. Alors, vous n'avez aucune notion de leader. Voilà. Les leaders peuvent être leaders et ne pas avoir des enfants leaders et qui les suivent dans le même mouvement. Voilà. Prenons l'exemple de papa Étienne Tshisekedi. Il a beaucoup d'enfants, les plus outillés, plus que Félix. Le plus âgé même. Mais Félix était aimé ça. Voilà. Il ne faut pas dire, non, écoutez, on n'a pas vu Christian, on n'a pas vu si c'est Roger et tout le reste. Non, mais lui, dans les gènes de Félix, il a aimé la politique. C'est comme chez vous. Papa Mukendi n'a pas fait la politique. Mais vous, c'est venu. Et d'ailleurs, moi-même, je t'avais dit une fois, peut-être, on était avec toi en ville. J'ai dit, mais tu me surprends, hein. Du journalisme à un activiste politique. Et surtout quand vous avez subi des chocs au niveau de la RTNC 2, vous avez claqué la porte, vous êtes parti. Courageusement. J'ai dit, oui. J'ai dit, un jour je parle avec Lolo Milolo, j'ai dit, mais voilà le courage que j'aime. Elle me reçoit dans son émission. Merci. J'ai fait l'analyse sur Mende. Je dis, oh non, laisse. Vous avez peur de quoi? Vous m'avez invité. Laissez-moi parler. Ça n'engage que vous. Ah oui, bien sûr, ça tombe dans ma bouche. Tout à fait. Et puis tout le monde voit que vous m'avez empêché, mais je n'ai pas accepté. Oui, oui. Alors, une dernière question. Oui. Il y a un problème qui se pose. Apparemment, c'est comme s'il y a deux Lamouka. Parce qu'avec l'avènement, aujourd'hui, celui qui pilote l'opposition, officiellement, c'est Moïse Katumbi. Tout à fait. Après 2 ans, ça sera le chairman qui va le faire. Mais dans la déclaration de Fayou, il avait dit, moi je ne suis pas dans leurs histoires. Je ne suis pas lié à l'argent. Et j'ai suivi le message de Moïse Katumbi. Il dit non à Ronsard Malonda. Et il dit, la marche que vous allez faire demain, c'est pour renforcer le clou dans la planche. Tout à fait. Pour dire non. Non à des histoires de Minako et tout le reste. Mais quand j'ai suivi Moukebaï, il parle de la Mouka avec une autre date et avec un autre thème. Alors, maintenant, ça commence à nous prêter, ça prête à confusion. On se dit, il y a deux Lamouka ou il y a un seul Lamouka et qu'il y a une dissidence ou pas, mais ça se présente comment? Parce qu'aujourd'hui, quand nous suivons une partie aussi de la Mouka et les autres, ce qu'ils disent comme bêtises envers le chairman Katumbi, nous, on se dit, finalement, il y a scission ou pas. Vous, en tant que porte-parole attitré de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Je ne suis pas porte-parole de Moïse, je ne suis pas porte-parole d'Ensemble, je suis cadre, évidemment, d'Ensemble. Ah, au cadre. Au cadre. Ah bon. Moi, je pensais déjà que. Le porte-parole, c'est Kalombo et son directeur. Ah, c'est Kalombo, hein. Voilà. Vous êtes au cadre, là, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se présente? Je n'aime pas reprendre les mots durs qui avaient été utilisés par cette aile là-bas. Vous êtes au courant ou pas? Nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Et les déclarations faites par le président Martin, ça l'engage. Ça l'engage lui, nous sommes responsables. Moïse Katumbi, en rentrant, a fait une déclaration publique disant qu'il va faire l'opposition républicaine. Républicaine. Et ça, et nous assumons et nous sommes dans cette logique-là. De dire aux gens que là ça va pas. On condamne. Alors, comme là ça ne va pas, faites ceci. Ça, c'est ce que nous pensons faire. Parce que vous rappellerez quand même au niveau de Genève, nous avions soutenu la candidature du président Félix Tshisekedi. Même si lui-même, après, il nous a un peu déçus en déclarant non, le changement passe par Fayoulou. Et Katumbi, responsable, étant qu'il avait apposé sa signature, il est resté dans cette logique-là. Deuxième aspect des choses, la Mouka existe. Évidemment, il existe parce que personne ne peut dire aujourd'hui que Katumbi n'est plus de la Mouka. Katumbi est parmi les pères fondateurs de la Mouka. Katumbi a beaucoup sacrifié pour la Mouka. On doit le reconnaître. Dire que on n'est pas dans ça pour l'argent. Je crois que c'est quand même un manque de respect pour l'autre.
C'est manque de respect. Oui, sinon, ça, nous, on avait suivi à la télé. Ça, évidemment, j'ai suivi aussi. Ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je le ferai toujours. Nous allons recadrer des gens, hein, c'est important de le dire. Katoum, il y a beaucoup de gens qui ont l'argent dans ce pays, mais qui ne se soucient pas du quotidien congolais. Il y a beaucoup de leaders qui ont assez de moyens, mais qui ne se sont jamais présentés comme l'incarnation des attentes de la population congolaise. Mais aujourd'hui, Moïse Katoumbi est incarne cet aspect des choses. La seule chose que les gens ne comprennent pas au niveau de la Mouka, c'est que la Mouka, ce n'est pas une structure qui a une personnalité juridique. On ne s'est pas mis ensemble, on dit, bon, écoutez, vous êtes socialiste. Non, non, on dit, l'objectif, c'était de se mettre ensemble pour faire bloc. C'était la demande de la population congolaise. Faites bloc contre Kabila. C'était circonstanciel. Évidemment. C'est comme moi, j'ai dit... Cash n'existe plus. Pas du tout. C'était une plateforme électorale. Voilà, non, 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 non. Ça, c'est votre déclaration. Moi, je ne vais pas entrer dedans parce que je ne suis pas de Cash. Je ne sais pas comment. Je termine, je fais l'analyse. Oui, je dis, moi, j'explique aussi. Je ne sais pas comment Cash est né. Je ne sais pas c'était quoi Cash dans les temps. Je ne sais pas les objectifs. C'était à court terme, à moyen ou long terme, je ne sais pas. Mais je crois que pour la Mouka. À vrai dire, il y a deux Lamouka dans l'histoire de Lamouka. Il y a Lamouka Genève qui avait pour mission uniquement de soutenir la candidature de M. Fayulu Madidi Martin à la présidentielle. Et il y a le deuxième Lamouka qui a été mis en place en Belgique, où Moïse est ressorti comme coordonnateur, le tout premier coordonnateur du président de Lamouka. Et ce Lamouka-là, ce n'était plus le Lamouka de Genève, c'était Lamouka plateforme politique, c'est-à-dire ça change avec évidemment la première mouture de la Mouka était électorale, voilà, la deuxième elle est politique et politique en politique. La première mission politique dans l'histoire, la philosophie politique, c'est le dialogue, la discussion, les échanges. Et je crois que Moïse l'a dit encore une fois ouvertement à Lubumbashi le 20 mai 2019, je crois bien, si je me trompe pas, il a dit clairement: le moment venu, nous irons voir notre frère Félix. On l'a traité de tout le monde, on l'a insulté. Oui, on a dit collabo. Voilà, collabo. Ah, il est traître. Mais après quelques temps, on apprend que Fayulu a fait une note avec des propositions pour qu'il soit. Attendez, mais qui y est allé la journée et qui y est allé la nuit? C'est les grands aussi. C'est aussi comme il l'a fait solennellement. Solennellement. Reconnaissant Moïse comme notre frère, Félix, et au-delà de tout, on ira le voir. J'ai aimé aussi, Fayou, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'il a dit qu'il pardonnait tout le monde et qu'il était pour il regardait vers l'avenir. C'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on peut dédouaner le pays. Maintenant, est-ce qu'il est possible de se mettre autour d'un idéal? C'est la question que nous lançons là. Est-ce qu'il est possible que tous les Congolais se mettent autour d'un idéal? D'abord, j'ai compris que il faut dans cette émission que je salue aussi Papa Mbanda, d'Apareko. C'est lui qui nous a révélé avec détail et précision que le pays était infiltré. Il a même dit quelque chose que j'ai aimé, que je continue à croire, mais c'est un peu difficile de dire. On ne peut pas organiser des élections dans un pays occupé. Pourquoi vous participez à ces élections? Moi, j'ai dit oui, vous avez raison, mais on n'avait pas de choix. Sinon, on allait dire, bon, et voilà, ils ne sont pas des élections, tout ça, tout ça. On n'a pas de choix. L'UDPS a refusé de participer aux élections 2006. Les pays ça n'a rien donné. Voilà. Donc là, j'apprends, Moulenia qui dit, les adversaires se préparent à ne pas aller aux élections. Ils commencent déjà à lancer, croyant que nous irons dans ce sens-là. Mais j'ai dit à M. Moulenia que cette fois-là, si ça va brûler, ça va brûler. Et j'ai dit maintenant à ceux qui nous ont infiltrés, les occupants, personne ne sortira. J'ai salué encore le président Haï de l'IDPS qui a dit qu'ils vont faire la nage. Personne ne va nager. Les gens prennent ça non. comme de la blague, mais moi personnellement, on me dit, toi tu as fait trop. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé même du Rwanda. Ah bon Mais si tu repars là-bas, nous, le Rwanda, on peut encore vous prendre quand on veut. J'ai dit, vous trompez. Non, en même temps, cher René, Mars Kadiombo, nous n'avons rien contre le peuple rwandais. Non. Ce sont les dirigeants rwandais d'aujourd'hui. Oui, parce que quand je suis à Goma, on va à Gisenyi. À tout moment. Le matin. Voilà. Il y a des échanges. Tout à fait. Même des Rwandais, des souches, ils savent, disent que ça ne va pas. Comment ce type de Kagame nous a mis dans cette pétrin? Voilà. Ils savent. Voilà. Il y a eu une délégation. J'avais les images où ils disaient, nous, on n'a que faire de ce que Kagame fait. Nous sommes habitués à vivre ici. Nous ne saurons pas vivre là-bas. Et un jour, je ne citerai pas le nom, quelqu'un qui doutait, il est allé faire un tour au Rwanda. Il y a la souffrance.
Les gens confondent l'embellissement de Kigali. Uniquement de Kigali. De Kigali, uniquement. Avec la banlieue. La banlieue. Allez, oui. Il faut qu'ils aillent vers la frontière Massissi. Tout le monde, comment ça se passe? Nous, on est bien par rapport à eux. Et énormément, énormément. Oui. Mais qu'est-ce que le Rwanda produit en dehors du lait, des vaches, d'ailleurs, qui viennent piller, qu'ils ont pillé chez nous. Oui. Donc, ça, c'est vraiment. Donc, je disais tout à l'heure. Alors, tu peux profiter de ce plateau que je t'offre pour dire un mot. Comment vous organisez demain? Vous pouvez parler, hein? La marche, vous rencontrez à quelle heure? Vous allez faire comment? Est-ce que c'est dans seulement toute la République va être en ébullition? Ça va se passer comment? En tout cas, vous. Voilà. Donc, je veux d'abord terminer l'idée que j'avais tout à l'heure en parlant aux ceux qui occupent notre pays. Oui. Tous ceux, si vous êtes Rwandais, Ougandais, Burundais, Tanzaniens, Angolais, dans le service de notre pays, au service de notre pays pour nous détruire, pour nous décourager, pour nous humilier, rassurez-vous que l'heure viendra. Vous ne sortirez pas de ce pays. Parce que vous êtes arrivés avec une mission. Tout finira ici. Nous allons finir avec vous ici. Ça, c'est vraiment un message. Retenez ça, c'est très très important. L'heure vient, et je crois qu'elle est déjà même arrivée, où nous allons nous occuper de vous. Parce que nous savons qui vous êtes. Sur les réseaux sociaux, vous portez nos noms. Et vous nous attaquez. Quand on dit quelque chose pour notre pays, vous nous attaquez tout de suite. Et nous savons vous reconnaître désormais. Alors, pour les Congolais qui nous suivent, j'ai dit tout à l'heure, dans l'histoire de toutes les nations, tout le peuple, les grands peuples, ce qui concerne leur sol, la terre, on se bat. Le Kamamabele va bondir la Kayango. Boalouakala va bouler vite. Diamboudantoto. Boku noni yao. Mais vous pouvez faire un noani nam toto angé. Il est au Gonville, il est au Tancombania, il est au Dongoyako, il est au Kamboyako. En page qu'il fagne. Bundela mabele na yo. Mabele oyo zo bundela oyo. Emile Makila e bele ya solo. Banda na mama ge bavita vule zimbango. Donc, n'a pas aussi moukenti. Y'a pas longtemps que marche. Y'a de pesa batwa kufi sous Makila. Banda ko solo la mabele. Saka. Lakela mabele. Avant, on a la marche. O temi bonso le pan ono. O zongoli sa pato on yati mabele. O zui place mabele. Pas on yati ono li. O yis mabele. Mabele yo. Nga. Na zo bundela yo. O koki kome la makila na nga ite. Solo la mabele, bima siko. Soda o koko na ye, bakunda moutolone na mabele oyu. Oye a gobeta moutouma sasi akufi. A gobeta liboma. A gobeta liboma, famine e gozala maudite, ti na 5e génération. Bo zong la ba pratique ya bo koko. Bo solo la ba koko. Ezali kamo mabele. Ba koko bako mabele o, ba ou batike la biso. Baba est à la bisso, baba est à la bisso. D'accord. Alors demain, le rendez-vous est pris à quelle heure? Déjà à 8h, bisso nyonso mingi penda bande ko bauta ko ta changu tozana tozana échangère. Moni ba kuya avec un échangeur, mais en tout cas tozana ba ba bimana ndenge belé livulu le partenaire sur la limité Kinshasa Gombe Kitambo Twenzela Wileri. En tout cas bima ko tenyo sur mona kara bende le kozala la muka ba parti nyonso bisso mingi penda ensemble pour le changement avec Moïse Katumbi tozana nzela. Moïse Katumbi alors qui chairman à Kotambola, Bemba. Oui. Alors, donc, ce qui Bemba Bimi, vous allez aller aussi, comme lui de PSV, parler de. Tout, l'objectif, c'est le palais du peuple. Palais du peuple. Où nous allons déposer un mémorandum. La police a l'obligation constitutionnelle d'encadrer les manifestants. Les manifestants. Et ma papa, bilingue, koya ko boukate, koya ko ibate, koya ko fingate. Mais on peut vous infiltrer comme toujours. Hein? Non, ceux qui vont infiltrer sont identifiés. Ah, ça c'est bon. Ça c'est des. Le rôle de la technique, ça a été. Ah, c'est bon. Tout solo là, tout s'est préparé. Au moins, on peut aller à l'année, la neve, la cimati, beko. Tout solo là. Ça c'est très bien. Merci. Et j'espère que. Je l'ai dit aux gens de l'IDPS aussi que. Bobanda ka manifestation, on n'a pas encore ce qu'on cherche. Et puis Totiki. Voilà. Ce qui est fréquent, voilà. Ce que vous dites. Même ceux qui sont ici étrangers partiront d'eux-mêmes. Tout à fait. Parce que, en tout cas, vous venez de dire ce que j'ai toujours dit aux gens, et puis, Balobagambala, beaucoup fait, eh, Binoba, sataniste. Mais j'ai dit, mais le Christ a pris la terre. Voilà. Il a parlé à la terre pour que Moutoumoko a recouvré vue. Voilà. Moïse, on vous dit dans la Bible, Zomabele, à Sopi,
Et puis si Batouba, voilà. Bamakwanza et tout le reste. Zwanze était bête en amaï. Il y a des symboliques. Voilà. Mais comment chez nous, nous connaissons ce pratique, nous voulons nous les interdire toujours. Voilà. Et nous, c'est la parole. Oh. Nous, c'est la parole. Oh. Mais comment Christ, lui-même, qu'on a dit qu'il a sa parole, mais il a pris les éléments. Voilà. Il a pris l'eau, il a fait ceci. En tout cas, j'aimerais vous inviter une fois de plus pour parler spiritualité. Je serai là. En ce moment-là, je vais faire associer quelqu'un d'autre de spirituel. Ok. Parce qu'au niveau du Cameroun, ils sont très avancés. Mm-hmm. Niveau à Mali, mm-hmm. Togo, mm-hmm. Bah, si, bah, évoluer. Mm-hmm. Et j'ai compris, j'ai découvert après que tout ce que les Blancs disaient de vaudou, c'était pour détacher les Noirs de leur culture. Mm-hmm. Il n'y a rien de tout ce qu'ils disent. Mm-hmm. Au contraire, ce qu'eux font est pire. Mais les Noirs s'accommodent. Et sur le plan spirituel, cher aîné Mars Kadumbo, tout le monde n'est pas obligé de saisir ou de comprendre au même moment. Ouais. Même pour Christ, tous ceux qui nous prêchent là, ils ne sont pas des pasteurs. Mm-hmm. Tous ceux qui prophétisent ne sont pas des prophètes. Mm-hmm. La parole elle-même, pour la recevoir, pour croire, recevoir Christ, c'est une grâce. Mm-hmm. La Bible dit, ils ont été élus avant qu'ils ne soient dans les seins de leur mère. Cela veut dire, ce n'est pas de votre faute que vous êtes non. là. Non, voilà. C'est la même chose. Toi et moi, aujourd'hui, ce que nous faisons, nous avons été choisis. Tout à fait. C'est une mission. Oh oui. Voilà. J'étais dans la presse. Mmh. Vous étiez dans la presse. Voilà. On était toujours là-bas. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait que d'emblée, on est là voilà. Et puis, notre génération a bravé la peur. Tout à fait. Papa Étienne Tshisekedi du prêché. Mmh. Bravé la peur. Mmh. Ce temps-là est passé, mais aujourd'hui, s'il se réveille, il sera content. Très fier. Parce qu'il y a plusieurs Tshisekedi qui sont en vie. Voilà. Alors, pour totalement nous séparer, comment vous préparez le Katanga? Parce qu'avec Kiaboula là-bas, ça ne marche pas. Hein? J'ai vu plusieurs fois comment on a voulu torpiller Muyambo, mais Muyambo est sorti quand même le 9. C'était un grand succès, je crois, mais on a lâché l'armée qui a fait des dégâts. J'ai suivi une analyse d'un monsieur sur les réseaux sociaux qui disait marche non autorisée à Kinshasa, à Lubumbashi et dans notre province, il y a eu des morts, il y a eu des casses. La seule province où on a autorisé les marches, c'était le Kasaï. Oui. Aucun mort, pas de blessés, pas de casses. Voilà. Fief de l'UDPS. Oui, oui. Donc s'il devait y avoir des casses, ça devrait être là. Mais ils ont autorisé la marche. Les gens et il n'y a eu rien. Voilà. Donc, au fait, nous sommes infiltrés pour nous faire nous-mêmes mal. Mm-hmm. Parce que, non, on ne comprend rien. Oui. Les gens ont dit, marche pacifique. Vous amenez les lacrymogènes pour faire quoi? Et puis, les lacrymogènes, j'ai vu une image. Mm-hmm. Est-ce que avec l'intention de tuer. De nuire. Est-ce qu'un Congolais peut faire ça à ses frères qui se battent pour le Congo. Et là où il trouve aussi son compte. Hein? Non. Et puis à Lubumbashi, quand on a fait la marche pour soutenir Ronsard, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Quand on fait la marche pour... Non, pour dire non, alors là, on interdit. Non. Il faut, c'est et ça, je pense à Lubumbashi, Katumbi sera... Il a dit qu'il sera lui-même en avant-plan. En avant-plan. Devant. Katumbi, Muyambo tous. Et toute l'équipe. Ouais. Muyambo, je ne suis pas sûr, mais Katumbi sera là. Parce qu'il a connu beaucoup de chocs, le 9. Il peut se reposer. Oui. Il y a l'espoir à ce que je sache quand je regarde la manière dont les choses avancent. Non, mais il y a vraiment espoir. Beaucoup de choses ont avancé. Mm-hmm. On ne sait pas le voir tout de suite, mais beaucoup de choses ont avancé. C'est ça. Beaucoup de choses ont avancé. C'est le dernier mot de Jacquine dans la foule. Vous l'avez aimé sans doute. Les critiques, ça ne manque pas. On est déjà immunisé. Mais ce qui est vrai, vous nous donnerez raison plus tard. Sachez bien que toutes les grandes nations qui se sont émancipées ont comme racine la culture, les valeurs qu'ont léguées leurs ancêtres. Nous détacher de nos ancêtres, c'est nous tirer des balles dans nos jambes. Et nous ne pouvons pas marcher. Faites ce que vous désirez. Dites ce que vous pensez. Il n'y a que ça. Regardez. Les Blancs ont tout fait pour honorer leurs ancêtres. Ils nous ont donné même les noms de leurs ancêtres. Et leurs ancêtres sont contents et ils travaillent pour leur progression. Portez-vous bien que ce message soit un message d'espoir.
Rendez-vous pris pour demain avec l'ensemble pour la République et leurs alliés, parce qu'il s'agit de la terre. Sortons tous. Merci d'être venu. Merci Aya. Je vous en prie.